I woke up to an open door, wrapped up in my lover's arms. I feel it in my weary bones. I'm home, but nothing's ever what it seems. There's darkness in the best of dreams. Scratch the surface and I'll find the scars like time. Putain, l'ambiance ici, ça fait flipper. C'est pire que dans le podcast. Oh, si vous saviez. C'est là que je l'ai vu. Qui ? J'ai cru que c'était... J'ai cru que Max l'avait percutée. Mais quand je suis sortie, elle était autre chose. Qui ? La femme, la vieille femme. Elle répétait la même chose en boucle. Oh merde, elle disait Silas. C'est impossible, la femme dont tu parles... Je l'ai vue aussi, dans les tunnels. C'est Elisa Vorez, la mère de Silas. Je crois. Vous croyez ? C'est mieux que propriétaire. Hein ? Quoi ? Mais comment ça ? C'est un enfant sauvage qu'elle a trouvé et gardé dans une cage comme un vulgaire animal. Si Kayleen a... Dans une cage, hein ? Bon, ça va. Faites comme si j'avais rien dit. Sérieux ? Vous jouez encore à ça ? T'as fait sauter la tête de ma nièce, Kaylee Hackett. L'une des gamines les plus gentilles que cette terre ait portée. Tout ce qu'elle voulait, c'était aider ce garçon. Foutu en cage par cette vieille sorcière. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a voulu l'aider. Travis. Elle a dit à Caleb d'allumer un feu pour faire diversion. Tes potes de foin. Le temps de faire sortir Silas et lui rendre sa liberté. Ça a mal tourné. Ouais. Tout le monde est mort en quelques minutes. Le foin crame vite. Elisa, la troupe. Kaylee a réussi à faire sortir Silas. Oui, Caleb s'est fait mordre. C'est pour ça que vous le chassez. Silas, je veux dire. À chaque pleine lune et depuis 6 ans. Sacré chasseur, dites donc. C'est le dernier maillon. C'est pas vrai. Merde. Vous le voyez ? Négatif. Putain, j'avais rien vu de tout ça. Je savais pas non plus que c'était là. Si. Malheureusement, oui. Pareil. Qu'est-ce que c'est ? Silas, l'enfant chien. Ça doit être lui. Attention.
horreur. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'attends? Tire, espèce d'idiote! T'es sûr de ton coup? Tire. Vous pensiez avoir tout compris? Mais je savais que mon petit s'en sortirait. Grâce à ma protection, je n'oublierai pas ce que vous avez voulu faire. J'étais avec vous toute la nuit, vous savez. Je n'ai pas l'intention de vous laisser tranquille simplement parce que la nuit est terminée, non. Chaque fois que vous entendrez un bruit dans le noir, un murmure dans l'ombre, un souffle derrière votre nuque... Oui, ce sera moi. Je serai là. Non, je ne vous quitterai jamais. Je ne vous quitterai jamais. Corps s'empilent dans le massacre du camp de vacances. Qu'est-ce que tu dis de ça, Anton? Ce que j'en dis? Pourquoi faire une pile avec les cadavres? On
devrais les enterrer dignement, ou je sais pas, moi, les incinérer. La manière vieille, c'était de mettre les cadavres sur une pile de bûches et d'y mettre le feu. On appelait ça un bûcher. Pourquoi on appellerait ça un bûcher s'il n'y avait pas de bûche? De toute façon, je pense que quand ils disent « l'écorce en pile », c'est une métaphore. J'en suis sûre. Ou du moins, j'espère. Ouais, ce serait pas une enquête très bien menée. On n'avait pas déjà parlé de l'histoire de Hackett Squarry? Pas cette histoire de Hackett Squarry. Ça s'est passé il y a au moins 3 mois. T'es à la bourre? Anton, si on se présentait d'abord. Vous écoutez Enquête paranormale, le podcast du surnaturel. Je suis Grace. Et moi, Anton. Et ensemble, nous explorons l'hypothèse de manifestations paranormales dans les événements de notre quotidien. Et c'est bien de ça qu'il s'agit, d'événements de la vie de tous les jours. Avec une once de phénomènes spirituels et surnaturels. Non. Ok, bon. J'espère que t'as assuré ton bonnet, Anton. Parce que je vais te retourner le cerveau. Que j'ai assuré mon bonnet, c'est-à-dire? Ben oui, c'est plus prudent d'assurer les choses auxquelles tu tiens le plus. Mon bonnet? Oui. D'accord, je vois où sont tes priorités, vas-y. Alors en fait, nous avons une vraie bonne raison de revenir sur Hackett Squarry. Il y a eu des développements. Et j'ai dégoté quelques infos. Je reste sceptique, mais je t'écoute. Sous mon bonnet. J'espérais que tu dirais ça. Ah non, pourquoi? Qu'est-ce qui te fait sourire? Arrête, j'aime pas ça. Pourquoi? J'ai eu un appareil, faut bien que ça serve à quelque chose. C'est vrai que t'as de jolies dents. Merci, c'est quelque chose que beaucoup de nos auditeurs doivent ignorer à mon sujet. Bref, il se trouve que j'ai quelqu'un à l'intérieur. Donc je pense que l'épisode d'aujourd'hui va sans doute être un peu plus concret que d'habitude. Qui tu as à l'intérieur? Et à l'intérieur d'où? Quoi? Tu as quelqu'un à l'intérieur? Est-ce qu'on n'a pas tous quelqu'un à l'intérieur? Tu sais cette petite voix qui te dit « Arrête de faire un podcast que personne n'écoute ». Tu devrais écouter cette voix, Grace. Ok, bref, ce que je voulais dire, c'est... Disons que j'ai reçu une contribution anonyme. Vois-tu, on n'est pas les seuls à avoir trouvé ça bizarre comme situation. Quelqu'un nous a contactés. On a reçu un colis. Tu l'as pas ouvert? Les gens, je fais pas confiance aux personnes qui nous écoutent. Oh, j'avais tellement hâte de l'ouvrir. Surprise! Une contribution anonyme? Anton, tu m'as toujours promis, depuis le premier jour de ce podcast, que si tu voyais une preuve irréfutable, tu envisagerais toutes les éventualités, non? C'est ce que tu as dit. C'est ce que j'ai dit, enfin, oui. Je sais que t'as... Sachant pertinemment qu'on n'aurait jamais la moindre preuve, j'ai dit ça, oui. Ok, eh bien, on nous a envoyé des infos, et il faut qu'on décide si c'est... paranormal ou si ça ne l'est pas. D'accord, allez. Pour ceux qui nous écoutent chez eux, on est sur le point d'ouvrir un colis d'une mystérieuse personne qui écoute l'émission. Et si tu es cette personne, quoi que ce soit, bravo, t'as gagné. Oh, désolé, le scotch est vraiment, vraiment... Oh, y a trop de scotch sur ce carton. Excuse-moi, tu veux bien m'aider à l'ouvrir? T'aurais pas une clé que je puisse le découper? Non, j'ai pas très envie que tu ruines mes clés. Sers-toi plutôt de tes doigts. Allez, file-moi tes clés, putain. Non. Donne-moi tes clés, merde. Non. Prends tes clés, toi. Comme si tu fermais ta porte. Bah, bien sûr que je ferme ma Pourquoi porte. Pourquoi? Qu'est-ce que tu caches? Qu'est-ce que je cache? Ah oui, parce que toi, tu fermes pas ta porte. Non, moi, j'ai rien à cacher. Alors toi, tu crois aux fantômes, mais par contre, tu fermes pas ta porte. Non, les fantômes n'ouvrent pas les portes, Anton. Ils passent à travers les murs. Ok, mais c'est plus des criminels que tu devrais te méfier. Bon, tu te souviens des marcheurs disparus? Tu n'as pas arrêté de parler d'eux, donc oui. Je voulais pas que tu les oublies, car mes sources m'ont dit que leur sac à dos avait été retrouvé à l'intérieur du camp. Quoi? C'est vrai? Oui, c'est ce qu'on pense. C'est ce qu'on pense, oui, bien sûr. Vraie... Ça, c'est du Grace tout craché, on te reconnaît bien là. On pense, on suppose, il paraît, mais rien de concret, c'est ça? C'est ça que pourrait être à n'importe qui. Ouais, bah je suis un être humain, libre de penser ce que je veux. Et je préfère croire que ces deux sacs-là appartiennent à nos deux randonneurs disparus. Je suis sûr que t'as un sac comme ça. Je t'ai vu te balader avec. Les chasseurs de fantômes ont un style particulier et j'avoue que je l'aime bien. Oui, je trouve que ces sacs sont plutôt classe. Ah oui, c'est vrai que quand on te voit, on se dit tout de suite que tu es chasseuse de fantômes. Merci. Non, c'était pas un compliment. Oh. Bon. Il va falloir qu'on s'attarde un petit peu sur la famille Hackett. Oui, donc eux, c'est qui? La famille qui possède le terrain, c'est ça? C'est ça. Leurs arrière-arrière-arrière-grands-parents.
étaient des trappeurs qui ont pris possession du terrain à l'époque. Qui ont pris possession ? Exactement, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont planté leur drapeau là, un peu comme l'homme sur la lune. Le drapeau de la famille Hackett, ok ? Eh bien, apparemment, en s'y installant, ils ont trouvé du quartzite. Quartzite ? J'espérais bien que tu demanderais. Fait marrant, tous les bâtiments de la ville de New York sont construits en quartzite. Ce n'est ni un fait ni marrant. Bon, la plupart le sont. Mais je digère. Digresse. C'était une blague, Anton. Ils ont creusé la carrière et ils ont rencontré un franc succès jusqu'à ce que Septimus Hackett, c'est un pur nom de méchant, le septième fils des trappeurs, le chiffre 7 a de grands pouvoirs surnaturels, fasse fermer la mine. Ok, donc il n'avait plus que le terrain pour vivre. Oui, enfin, plus que... Le terrain est immense quand même, avec beaucoup de forêts et beaucoup de recoins inexplorés. Oh, je vois. Parfait pour se cacher et pour dissimuler les sombres secrets de cette famille étrange et isolée. Tout juste, Anton. Et c'est là qu'on commence à s'enfoncer sur le territoire du paranormal. Et voilà. Des hectares et des hectares de bois hantés. Si tu le dis. Dans Enquête paranormale. Anton, aujourd'hui, je vais te faire un peu de lecture. Attends, tu veux vraiment me faire lire ça ? Ok, donc, c'est... Ce que tu as sous les yeux est la copie d'une lettre que Kaylee Hackett a écrite à sa grand-mère. Enfin, on suppose. Je vois. Ça ressemble plus à un truc que toi, tu lirais, mais ok. Oui, je sais, je me dis que si certaines des preuves sortent de ta bouche, ça aura plus d'impact. Bon, ok, voyons ça. Mamie, combien de temps ça va durer ces conneries ? Je sais que la famille, c'est sacré, mais je veux découvrir ce qu'il y a après la forêt. Loin de cette maison et ce camp de merde, et je sais que c'est pas près d'arriver à cause de qui on est. Peut-être qu'on peut expliquer aux gens ce qui se passe, leur montrer, ils verront bien qu'on peut pas le contrôler. Je sais que tu veux... Juste nous protéger, mais un jour tu seras plus là et pour l'instant j'ai l'impression qu'on est coincé dans cette merde. Je dors plus, mamie, et si je dors, je rêve de ce putain d'incendie. On était juste des gamins débiles. Je regrette ce qui s'est passé. Je t'aime. Ta Kaylee, bisous, bisous. Bah merde. Oui. Elle rêve de ce putain d'incendie. Est-ce que ça ressemble pas au témoignage d'une gamine traumatisée qui a vu un truc qu'elle n'était pas censée voir ? Hey, là, je trouve ça bien flippant. Il y a clairement un truc qui la perturbe. Et c'est du vrai, ça ? Eh ben, je vois pas pourquoi on irait inventer ça. Mais bon, j'ai pas les moyens de le vérifier. Alors il va falloir que, pour une fois, tu acceptes une part de doute. Putain, la pauvre gamine. Ouais, on sent qu'il se passe un truc, que quelque chose la ronge. Et c'est ce que je voudrais explorer. Ok, alors j'accepte une part de doute, pour l'instant. Bon, je crois qu'on n'aura pas le même problème pour la suivante. Ah, et pourquoi ? Merde, c'est une lettre de mise en demeure ! Et elle nous est adressée. Grace, pourquoi tu m'as rien dit ? Eh bien, elle n'a jamais été envoyée. Mais c'est dingue ! Hein ? Signée par Travis Hackett ! Eh, mais on n'a rien fait d'illégal ! T'es sûr ? Ben, réfléchis. C'est vrai qu'on nous l'a pas envoyée, techniquement. Il y a que les gens qui cachent des trucs qui font des mises en demeure. C'est chaud que ces types sachent qui on est. Bon, laissons tomber la famille Hackett un moment. Il y a autre chose. T'es prêt pour un truc vraiment flippant ? Ah oui, c'est vrai que jusqu'à maintenant, t'as vraiment su me terrifier. Essaie de pas paniquer. Je vais essayer. Ok, tu veux que je te tienne la main ? Non. Ok, tu veux que quelqu'un te tapote l'épaule pour te rassurer ? Bon, allez. S'il te plaît, accouche. Tu veux que j'allume les lumières ? Je veux surtout que tu me lâches la grappe et que tu craches le morceau.
Bon, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je regarde? Une photo prise par une des monitrices, Emma Mountbank, téléchargée depuis son téléphone. Ah mon Dieu, c'est une vraie? Eh bien, c'est ce qu'on va tenter de déterminer. Bon, ça a l'air trafiqué. Enfin, tu trouves pas? Si tu téléchargeais des photos de mon téléphone, elles seraient aussi toutes trafiquées. Il y aurait toujours un filtre pour rendre mes yeux plus grands et mes joues plus roses. Mais je crois pas qu'il y ait un filtre ici. Regarde bien ses yeux et dis-moi que ça n'a pas l'air dangereux. Ouais, c'est bizarre. Ouais, et ça mérite une enquête paranormale. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien plus que ce qu'on veut nous faire croire. Ouais. Et il y a encore autre chose. Vas-y. Regarde ce qui se passe quand on ajoute un filtre négatif. Wow! Bordel, c'est quoi ça? C'est elle! La folle de Hackett Squarry! Tu vois? Tout est lié! Bah... Non, ça pourrait être n'importe quoi! Comme quoi? Vas-y! J'en sais rien! C'est quoi déjà le truc où ton cerveau voit des visages dans des trucs? Il y a des gens, il y a comme Jésus qui apparaît sur des toasts! Ça pourrait être n'importe quoi! Merci beaucoup pour ta rubrique petit-déj. Mais j'arrive pas à croire que tu nies encore. Tu remets en cause ton propre cynisme, ça se voit. Je sens d'ici tes certitudes habituelles se fissurer petit à petit. Sans photos, pas de preuves, hein? On a des photos, donc c'est réel. Non, on peut truquer des photos, pas des expériences. Il faudrait que je voie la folle de Hackett Squarry moi-même. Eh bien, si tu veux aller à North Hill avec moi, je... Non! En fait, j'ai une très bonne relation avec... Ok, je te crois. Ok, eh ben tu sais quoi? J'ai quelque chose qui n'a pas pu être truqué. Des marques de griffes sur un mur? Rien de plus facile. Ah oui? Trouve-moi un mur, donne-moi une fourchette, et je te fais ça tout de suite. Ah, monsieur est un artiste. Merci. Alors ça, pour moi, ce n'est pas clairement surnaturel, parce que ça pourrait avoir été fait par un animal ou un perroquet énervé. Mais je pense qu'il faut en parler. Pourquoi? Parce que nos auditeurs s'attendent à un podcast d'une certaine durée. Alors il faut parfois faire un peu de remplissage. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de trucs à dire. Bref, la personne qui nous a contactés pensait que c'était important. Il est possible que ce soit juste une blague, tu sais. C'était juste une blague, Anton? Mais qu'est-ce qui te prend? C'était probablement juste un ado qui a voulu se foutre de toi. D'ailleurs, c'est sûrement celui qui nous a mis une note d'une étoile. J'adorerais te dire que c'est impossible, mais ce serait loin d'être la première fois qu'un ado se fout de moi, en fait. Bref, qu'est-ce que tu dis de ça? Dis-moi que c'est pas super flippant! Ah! C'est de la peau? Oui, de la peau, des poils, tu peux appeler ça comme tu veux. Bon, ça a l'air humain, c'est un tatouage? Je crois pas, ou alors un tatouage vraiment merdique. Attends, c'est... Apparemment... Ça appartient à une des créatures qui aurait causé tout ça. Et on a la vraie peau? Et ils l'ont prise? Est-ce que je peux la voir? En chair et en os, si j'ose dire. Tu veux toucher la chair, c'est oui, ça? Oui, je veux toucher la chair. Heureusement, la personne qui a envoyé ça a eu la présence d'esprit de se dire que ce serait risqué de voler une preuve. Sans oublier qu'elle pourrait te soupçonner, toi, Anton, de vouloir la cacher pour saboter cette enquête qui est extrêmement sérieuse. C'est ça, j'ai l'habitude de détruire des preuves. C'est pratique de ne pas pouvoir voir la vraie, hein? Arrête, Anton, tu tiens absolument à ne pas y croire. En cas de doute, il faut partir du principe que c'est faux. C'est le rasoir d'Occam. Mais regarde tout ce qu'on a vu. Mets tout bout à bout, objectivement. Ok. Tu sais quoi? C'est bizarre, je te l'accorde. Oh mon Dieu. Hé, j'ai juste dit que c'était bizarre, calme-toi. Oh mon Dieu, j'ai réussi. T'as rien réussi, j'ai dit que c'était bizarre. J'ai réussi, je t'ai converti, je t'ai rallié à ma cause. Tu y crois maintenant, hein? Non, jamais tu me convertiras. J'ai gagné. Non, t'as pas gagné. C'était Écoute. Un concours et j'ai gagné. Mais non, enfin, je dis juste que ça se voit, le manque de détails dans la presse et ces trucs. Je sais pas ce que ça signifie, mais je peux comprendre que tu trouves qu'il s'est passé quelque chose d'étrange. D'étrange ou de paranormal. Alors, qu'est-ce que tu en dis? La ferme. Allez. Non. Dis-moi ce que non, je veux entendre. Non, je ne te ferai pas ce plaisir. Tu l'as presque dit, t'as juste à prononcer les mots que j'espère entendre depuis si longtemps. Bon, j'ai jamais approuvé ce titre,
Mais j'admets que, pour la toute première fois, cette enquête pourrait être une enquête paranormale. Ah ! C'est le plus beau jour de ma vie. C'est triste ! Pourquoi ? Pas pour toi ? Non ! Alors on fait quoi ? Il faut qu'on envoie ça à la police. Ils décideront si c'est intéressant ou pas. Je voudrais en savoir encore plus. Si seulement on pouvait regarder dans une boule de cristal et voir ce qui s'est passé. Oui, mais ce serait pas marrant. On peut faire des hypothèses, mais on n'y était pas. On n'a pas vécu ce que ces gamins ont vécu. On ne saura jamais exactement ce qui s'est passé à Hackett's Quarry. Qui êtes-vous ? Qu'avez-vous fait, Danton ? Je suis simplement Lucie. C'était magnifique. Je te remercie. Tu viens de t'embarquer dans le type de contenu que j'essaie de faire depuis le début. C'est juste la première fois qu'on a une discussion sensée dans ce podcast. I woke up to an open door, wrapped up in my lover's arms.